בבילו יצאנו ממצרים, בבילו יצאנו ממצרים. הלכם הענייה בנחורים, הלכם הענייה. בונחורים. À la communauté de Flegg, la fête de Pessah approche, et dans la Haggadah, on va raconter que Rabbi Eliezer, Rabbi Ushua, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva ainsi que Rabbi Tarfon étaient accoudés à Bnei Brak. Ils ont raconté toute la nuit les miracles de la sortie d'Égypte, ce que viennent leurs élèves pour leur dire: nos maîtres, il est temps, il est l'heure de faire le schéma du matin. Le Béchai va poser une question, il va dire: c'est-à-dire quoi ce passage que ces maîtres-là étaient accoudés chez Hayou Mesoubin Bivnei Brak, qu'ils étaient accoudés à Bnei Brak? A priori, le mot Bnei Brak est en trop. Dis-moi simplement qu'ils étaient accoudés en train de parler de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça change qu'ils étaient à Bnei Brak ou dans un autre endroit. L'information essentielle, c'est qu'ils ont parlé toute la nuit de la sortie d'Égypte et que leurs élèves sont venus leur dire qu'il est l'heure de faire le schéma. Alors, il est connu, en fait, il va apporter une réponse, que Paro, le pouvoir qu'il avait, c'était le pouvoir de contenir le peuple juif chez lui, c'est-à-dire de les maintenir en état d'exil, en état d'étranger, en fait. Qu'ils soient étrangers dans une terre étrangère qui n'est pas la leur. Ça, c'était le décret, c'était le deal, entre guillemets, qu'avait passé Hachem avec Abraham lors de l'alliance entre les morceaux, qui seront étrangers. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais permis à Paro de les tuer, de les torturer, de jeter leurs enfants dans le Nil. D'où Paro ose-t-il prendre cette permission? C'était ça son erreur. Hachem a dit à Abraham, ils seront esclaves 400 ans. Mais comme Hachem savait très bien, il a montré à Abraham ce que comptait faire Paro envers les Bnei Israël, à cause de toutes ces souffrances-là, les Bnei Israël ont mérité des prodiges incroyables et ont pu sortir avant le temps imparti. Ils ont pu sortir avant le décret des 400 ans. Ils devaient rester 400 ans normalement. Ils sont sortis au bout de 116 ans d'esclavage. Le Mishraï va rapporter une réponse. Il va dire que Paro l'utilisait comme argument. C'est vrai. C'est vrai que Hachem l'a décidé uniquement du fait que les Bnei Israël seraient étrangers, et non pas de les asservir au point de les torturer et de les tuer. Mais moi j'ai une très bonne preuve, il dit Paro. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai mis mon peuple en esclavage? Mais j'ai fait, pour mon peuple, le peuple qui l'accueille, donc le peuple juif. Pourquoi? C'est pour les sauver de la faute du vol dans ce monde-là. Parce qu'ils volent ce monde-là. Pourquoi est-ce qu'il dit ça Paro? Parce que Yaakov et Esav, nos deux jumeaux, ils sont partagés les mondes. Yaakov, il a pris le monde futur, et Esav, il a pris ce monde-ci. Et donc, tout ce qu'Israël mange et boit dans ce monde-là, il y a une ta'ana, il y a une preuve de dire qu'en fait, vous êtes en train de voler le monde qui appartient à Esav. Et comme on dit que Esav, d'une certaine manière, toutes les nations lui sont quelque part rattachées à lui, donc vous volez ce monde-là. Donc moi, j'ai très bien fait de vous mettre en esclavage. Comme ça, tout ce que vous allez manger et boire, c'est pas du vol, parce que vous avez travaillé durement, c'est un euphémisme, pour mériter d'avoir tout ça. Donc vous êtes obligé d'être esclave et pas seulement étranger. Ça vous permet de pouvoir profiter de boire et de manger dans ce monde-là dans lequel vous n'avez droit à aucune part normalement. Alors on va répondre maintenant que d'une certaine manière, d'un point de vue du Icar, du Din, vraiment de l'essentiel de la loi, Esav n'a aucun droit, ainsi que les nations du monde, d'accuser Israël de voler ce monde-là en mangeant une part qui n'est pas la leur. Pourquoi? Parce que Yaakov a vu nous. Comment est-ce qu'il se fait, comment est-ce qu'il paye sa nourriture et sa boisson, entre guillemets, et ses agréments de ce monde-là? C'est parce que Yaakov accepte les convertis. Or, les convertis, d'une certaine manière, viennent du monde de Esav. Et les convertis, s'ils appliquent la Torah, auront droit au Olam Haba. Donc Yaakov, il paye ce monde-ci en prenant des gens, en acceptant des gens de Esav et en leur promettant le Olam Haba. Parce que les convertis ne sont pas de la descendance de Yaakov, mais elles sont de la descendance de Esav, ce que dit le Ben Ishraï. Et donc, il leur donne une part du monde qui est à Yaakov. Il leur donne une part du Olam Haba. Il les invite à ça. Et avec cette condition-là, c'est comme ça qu'il lui répond. Et maintenant, grâce à la force des convertis, grâce à cet argument-là qu'il a utilisé Yaakov, l'argument de Paro de mettre en esclavage les Bnei Israël pour pas qu'ils soient accusés de vol s'annule, parce qu'Israël n'a rien volé. Et ce qu'il mange de ce monde-là, il paye plus que la valeur de ce monde-ci, puisque en donnant une part de Olam Haba aux convertis de Esav, il donne quelque chose à Esav qu'il ne pourra jamais rembourser. Et maintenant, on va comprendre.
On sait très bien que la Gemara nous dit qu'à Bnei Brak, il y avait des convertis qui venaient de la descendance de Haman, comme elle dit la Gemara dans Megillah. Et maintenant, on va comprendre ce que ça veut dire chez Ayoum et Soubim Bnei Brak, qu'ils étaient accoudés à Bnei Brak. Car c'était grâce aux convertis que la sortie d'Égypte a pu avoir lieu. C'est grâce à la sortie d'Égypte que les Bnei Israël vont pouvoir recevoir la Torah. Et tout ça, c'est grâce aux convertis que Moshe Rabbeinu a accepté. Puisque sans les convertis, l'argument de Paro aurait malheureusement persisté, on serait resté en esclavage encore plus longtemps. Et c'est ça qui a permis l'envoi d'Hachem de tous ces miracles pour nous faire sortir avant le temps imparti. Donc la puissance de l'argument de Yaakov, qui a donné une part de son Olam Haba aux descendants de Esav, a permis la sortie d'Égypte. Et donc tous ces Tanaïm, tous ces maîtres de la Torah, Kedoshim, qui sont remplis d'une incroyable sainteté. C'est pour ça que toute la nuit, ils vont raconter en détail, en profondeur, les secrets incroyables de la sortie d'Égypte, parce qu'ils savent très bien que eux qui se trouvent à Bnei Brak, c'est grâce à cette dimension-là de Bnei Brak qui va accueillir les descendants convertis de Haman qu'on a pu sortir d'Égypte. On comprend pourquoi la Torah nous dit que lorsque tu verras un étranger égyptien, tu ne seras pas un converti. Tu ne seras pas méchant avec lui parce que toi-même, tu as été étranger en Eretz Yisraël. C'est grâce aux convertis que l'argument de Paro a pu s'annuler et qu'on a pu sortir d'Égypte. Chag Sameach à tous.